Yo le pote Stazer, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potos. Vous l'aurez vu dans le titre, ma chaîne va changer les potos, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En gameplay de fond vous aurez du Black Ops 3 je pense, ou du Code 4, je pense que ça va être du Code 4 plus... Ouais non, du BO3. Voilà les potos, aujourd'hui ma chaîne va changer parce que pour ceux qui le savent les potos, tout à l'heure j'ai fait un tournoi GK2v2 NCND qu'on a malheureusement perdu contre des joueurs vraiment pas fair play qui jouaient vraiment sale. On a perdu donc sur 3 matchs on a perdu 3, on a perdu 2, on en a gagné 1 pardon, si je commence à m'embrouiller voilà. On a perdu 2, on en a gagné 1. On était assez deg de perdre contre des merdes pareilles, franchement. On était sur leur co et puis voilà. Alors les potos, ce match-là, il a servi tout simplement à déterminer si je vais tout simplement continuer dans la compétition ou tout simplement m'arrêter là. Voilà, ce match, il a servi à ça. Non pas si je gagnais je continuais et si je perdais j'arrêtais, pas du tout, mais plutôt est-ce que j'aimais l'interface et tout. Je trouve que le site Glory for Gamers c'est vraiment un site très simple que tout le monde peut utiliser. Voilà, je trouve vraiment il était très simple à utiliser. Voilà, c'est assez simple de se rejoindre, on n'a pas galéré. Voilà, donc c'est assez simple le site, il est vraiment très simple. Voilà hein, t'as juste à... Alors j'explique vite fait. Il y a un onglet jouer, tu cliques dessus. Quand le tournoi se lance, il y a un onglet jouer. Tu cliques sur cet onglet jouer, ça va t'afficher les joueurs contre qui tu joues, tout simplement. Tu dois te mettre prêt. Tu dois marquer comme quoi t'es prêt. Une fois que t'as fait ça, eux aussi. Et dès que vous avez fait ça tous les deux, vous avez 10 minutes. Si vous êtes disqualifiés, dès que vous avez, toi et l'autre équipe ont mis que vous étiez prêt, là il y a leur PSN qui s'affiche et il y a tes PSN à toi et ton collègue qui s'affiche. Et dès qu'ils s'affichent, tu l'as bien compris, tu dois tout simplement les ajouter pour pouvoir jouer avec eux. Voilà, c'est vraiment très simple, vraiment très très simple, et c'est ça qui me plaît. Donc du coup, voilà, je vais continuer dans la compétition, je vais continuer, c'est sûr, pas forcément en plus en 2v2, je vais essayer de varier, je vais essayer de faire des 1v1, des 4v4, ce qui peut vraiment être encore plus sympa pour les... J'ai fait un stream, quand j'étais en tournoi G4G, j'ai fait un stream justement, bah, spécial tournoi G4G. Les potes, vous étiez 7, un truc de ouf. Plus de 200, on a atteint les 200 commentaires en moins de 40, en moins d'une heure. Franchement, vous gérez de ouf, les gars. Si c'est comme ça, tous les tournois G4G, ça va être nickel. Voilà, après, il va y avoir des tournois G4G 1v1 que je vais faire aussi. Des tournois G4G 1v1 que je vais faire d'ailleurs très bientôt. Faut que je programme pour le mardi, etc. Mais voilà, sinon pour rester dans le vif du sujet, voilà, je vais continuer la compétition et ma chaîne risque d'un peu changer. Qu'est-ce qui va changer? Ben, il y aura beaucoup plus de live G4G. Peut-être aussi des replays G4G que je vais pouvoir faire. Voilà, des replays. Déjà, j'ai quelques matchs que je vais vous proposer normalement très prochainement. J'ai 3 matchs avec Sneezy. Voilà, un MME, un point strat, un RED contre les mêmes mecs qu'on a tout simplement... Bon, je vous dis pas si on les a pétés ou pas. Bon, on les a pétés, je vous le dis. Ça va sortir très bientôt sur ma chaîne. Et puis, ben voilà, si je me mets vraiment à la compétition comme je le fais là et comme c'est bien parti pour que je le fasse, voilà, je risquerais vraiment de tout simplement de faire des lives, de faire beaucoup plus de lives. Je risque de faire voilà des vidéos et je vais faire maintenant, je pense du coup plus des vidéos basées sur la compétition que tout simplement que des vidéos basiques, etc. Je sais pas si vous voyez le style de Gotaga, ces vidéos un peu. Et ben voilà, hein, le but ça va être de faire ça évidemment à ma façon, etc. Mes vidéos vont partir par rapport à... voilà, mes vidéos vont être basées sur la compétition maintenant.
Alors, dès qu'on aura gagné un tournoi avec mon pote Renaud, ou dès que j'en aurai gagné un, etc., je vous en ferai une vidéo en mode mon premier tournoi gagné, en vous expliquant les détails. Donc, déjà, première vidéo compétitive qui va arriver. Si je fais un tournoi avec de l'argent en jeu, et que je le gagne, évidemment, voilà. Encore une vidéo compétitive. Des vidéos aussi. Une vidéo tuto bientôt qui va arriver sur justement. Comment faire des tournois sur ce site? Parce qu'il y a un abonné, il m'a demandé, il m'a dit ouais, salut, comment tu fais pour faire des tournois? Je vais l'expliquer, je pense. Même moi, quand je suis arrivé sur le site Glory for Gamer, les potos, je comprenais rien, je me disais putain, ça va être galère ça, si je fais ça, si ça, ça, je vais pouvoir pas rejoindre, etc. Alors que non, en fait, c'est hyper simple, les gars, hein, c'est hyper simple. D'ailleurs, le tuto, il va sortir tout à l'heure sur ma chaîne, d'accord? Là, je vous poste vidéo d'abord. Et dans pas trop longtemps, vous aurez normalement une vidéo tuto Glory for Gamer, comme ça vous pouvez suivre un maximum et je vous fais une vidéo tuto après. Donc voilà les gars, je vais arrêter cette vidéo ici pour pouvoir aller tourner du coup le tuto Glory for Gamer. Et puis voilà tout simplement. Bref, moi je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est bien un peu que la chaîne elle va changer, est-ce que non, vous voulez pas du tout que ça change? Dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on reste sur ce format de vidéo simple, gameplay, sujet en fond, ou est-ce que justement ça vous plairait que ça soit plus compétition, rediff de live, etc., qui peut être vraiment, je pense, très cool pour vous. Vu que, ben voilà, vous étiez 7 sur le... Mes abonnés étaient 7, on était 7 sur mon stream. Les abonnés, franchement, ils ont kiffé. Hein, ils m'ont dit, oh, c'était trop bien et tout. Donc voilà, je suis assez content. Bref, les potes, sur ce, je vous retrouve ce soir 20h en live. J'espère que vous serez nombreux sur ce Stateizer. Ciao tout le monde.